Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une séance qui va faire travailler l'ensemble du corps. Avant de commencer, on s'échauffe. J'écarte mes pieds, je place mes mains devant, j'emmène les talons aux fesses et en même temps, je tire avec les bras. Et c'est parti pour 5 minutes d'échauffement. Une fois l'échauffement terminé, on peut démarrer à faire nos exercices. Au besoin d'un tapis, je place mes mains sous mes épaules, j'allonge les jambes, position pompe, je repousse le sol, je monte sur la pointe des pieds en rentrant mon ventre. Soit je tiens la position, soit j'effectue les petits mouvements du genou qui va au coude. On rentre son ventre, on aspire son ventre. Deuxième exercice, les squats. Squat sumo. J'écarte bien mes pieds sur les côtés et je descends. Je remonte. Je garde bien les pieds et les genoux dirigés vers les côtés. Je file. Troisième exercice, retour sur le tapis. Je m'allonge sur le dos. Je ramène les genoux au-dessus du bassin. Je colle mon bas du dos contre le tapis. Je rentre mon ventre. Les mains 45 degrés. Je me tire avec mes doigts vers le haut et l'avant. Et je remonte. Exercice suivant. Flexion de bras et pompe. Plus les genoux sont sous les hanches, plus c'est facile. Attention, je n'écarte pas les coudes sur les côtés et ma tête dépasse de mes mains. Comme ça. Je dépasse. Je recule les genoux, c'est plus difficile. Je me mets sur les pieds et les mains, encore plus difficile. Dernier exercice, je pose les mains, les burpees, suivi d'un petit travail écarté serré avec les jambes. Je prépare mes mains, je descends, je pose, je recule une, je recule l'autre, je la ramène, je me redresse sans me relever, j'écarte à gauche, j'écarte à droite, je rapproche et je recommence. Possibilité de le faire en sautant. Voilà. Alors, le nombre de répétitions. Vous pouvez faire entre 5 et 15 répétitions par exercice. Nombre de fois que vous ferez l'exercice, entre 3 et 5 tours. À vous de jouer.